si l'on va pousser la maladie. Je me rappelle du message de l'ange. Il dit gloire à Dieu, paix sur la terre. L'ange était porteur d'un message extraordinaire, d'une bonne nouvelle. Et quelle était cette bonne nouvelle? Il dit gloire à Dieu et paix sur la terre. Ce dont nous avons besoin, c'est la paix. Et lorsque l'ange dit gloire à Dieu et paix sur la terre, lorsqu'on parle de paix, on parle de souffrance. Lorsqu'on parle de paix, on ne parle plus de pleurs. Lorsqu'on parle de paix, il n'y a plus de combat. Lorsqu'on parle de paix, il n'y a plus de souffrance. Donc, quand l'ange dit gloire à Dieu, paix sur la terre, il sait de quoi il parle. Et pour recevoir cette paix, il faut se trouver en Christ. Mais nous avons encore certaines personnes même qui sont en Christ et qui ne vivent pas cette paix. Le message que l'ange a envoyé, il était clair, il dit gloire à Dieu et paix sur la terre. La paix te concerne toi, la paix concerne toutes ces personnes qui sont dans ce monde. Et la gloire est à Dieu lui seul. Lorsqu'on parle de paix, il n'y a plus de pleurs. Lorsqu'on parle de paix, il n'y a plus de tristesse. Lorsqu'on parle de paix, il n'y a plus d'amertume. C'est comme ça qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'ange qui apporte cette bonne nouvelle. C'est toi et moi qui apportons cette bonne nouvelle. La Bible déclare que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a quoi? Pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et nous sommes là pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Celui qui est pauvre, c'est celui qui n'a pas le Seigneur. C'est celui qui est pécheur. C'est celui qui a cette nature pécheresse. Lorsqu'il y a cette nature pécheresse, tu es pauvre. C'est pour ça que le Seigneur lui-même, il a dit. Il s'est fait malédiction pour que toi tu sois une bénédiction. Il s'est fait pauvre pour que toi tu sois. Donc nous avons un transfert dans la personne de Jésus-Christ. C'est comme ça que ceux qui n'ont pas encore accepté le Christ, ce sont des personnes pauvres, quel que soit le bien matériel, quel que soit ce qu'ils sont. Mais quand tu n'as pas Christ, tu es comment? Tu es pauvre. C'est comme ça que le Seigneur te revêt de sa puissance, de son énergie, de sa capacité, dans le seul but de faire voir, de pouvoir annoncer l'Évangile. Lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Parce que sans le Saint-Esprit, tu n'as pas cette capacité de pouvoir annoncer les mystères de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu n'as pas cette capacité de parler de lui. La meilleure personne, mieux placée de parler du Saint-Esprit, de parler de Dieu, c'est lui-même. Et c'est comme ça qu'il voit son esprit pour que tu puisses maintenant parler. C'est comme ça qu'il nous a envoyés. Au départ, le début de l'église, ce n'était pas des réunions de culte. C'était de l'évangélisation. L'évangélisation. Les gens se déplaçaient de ville en ville, de quartier en quartier, dans le seul but de faire quoi? De pouvoir répandre l'évangile. Pourquoi? Parce que la création attend la révélation des fils de Dieu. La révélation de quoi? De cette bonne nouvelle. Donc le Seigneur s'est fait un peuple. Le Seigneur s'est fait une nation. Il nous a lavés, il nous a purifiés, il nous a séparés de tout ce qui est négatif. Et il nous a choisis afin de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle.
Bien-aimé, il y a lieu de prendre conscience de notre mission sur la terre. Autrefois, le Christ s'est fait un corps. C'est ce corps que nous appelons Jésus. Mais aujourd'hui, l'esprit de Christ est en toi. Et le corps de Christ, c'est qui? C'est toi. Donc c'est comme ça que nous sommes dans cette mission. Et cette mission, c'est faire quoi? C'est d'annoncer la parole. Lorsque lui-même, il était sur la terre des hommes, il passait son temps à annoncer la bonne nouvelle. C'est comme ça que toi qui as été racheté, c'est comme ça que toi qui as été sélectionné par lui, nous sommes là pour annoncer la bonne. Vous devez savoir que ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur souffrent. Il y a les biens, il y a les malédictions, il y a plusieurs choses. Nous devons savoir que le diable fait beaucoup, beaucoup, mais beaucoup de mal. C'est comme ça que le Seigneur compte sur toi pour faire quoi? Pour annoncer la bonne. Le thème d'aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle de quoi? La bonne nouvelle de la grâce. Nous prenons Actes chapitre 20, le verset 24. Et dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma cause avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Lorsqu'il commence même la phrase, Actes chapitre 20, le verset 24, il dit, mais je ne fais aucun cas pour moi-même. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. C'est comme ça que lorsque nous sommes en Christ, nous n'avons pas à nous soucier de nous-mêmes. Non. Lorsque l'apôtre Paul était en train de dire ça, c'est parce qu'il savait qu'à chaque fois qu'il se devait aller faire des voyages missionnaires, il était exposé à beaucoup de difficultés, aux arrestations, à la mort, à plusieurs choses. Mais il dit qu'il ne fait aucun cas de ça, comme si elle était précieuse. Donc la chose la plus importante maintenant que nous avons reçu le Seigneur, parce que nous avons été rachetés. Autrefois nous étions morts, mais aujourd'hui nous avons la vie grâce à lui. Donc tu ne peux pas faire, tu ne peux pas te préoccuper véritablement de cette vie, parce que lui il s'en charge. Il prend soin de toi dans les moindres détails. Donc celui-là même qui s'appelle l'apôtre Paul, qui fait cette déclaration, toi et moi, nous pouvons aussi faire cette déclaration. Il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Et ce ministère, nous l'avons reçu depuis que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Depuis que nous avons reçu le Saint-Esprit, cette mission-là est à toi, cette mission-là est à moi, cette mission est à tout le monde. Et quelle est cette mission? Il dit d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu annonces la bonne nouvelle de la grâce? Est-ce que tu annonces la bonne nouvelle de la grâce? Vous devez savoir que celui qui n'a pas accepté le Seigneur, celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, ne peut pas expérimenter l'amour de Dieu. C'est impossible. Sa manière de voir Dieu est tellement différente. Il peut voir Dieu comme un être méchant, dur, qui n'est vraiment pas compatissant. C'est Dieu qui a des préférences. Il est telle personne, il est telle. Cette personne-là, puisqu'elle n'a pas le Saint-Esprit, puisque ce n'est pas un enfant de Dieu, cette personne-là peut réfléchir de plusieurs manières. Mais toi qui as reçu le Seigneur, toi tu le connais véritablement. Et quand tu le connais véritablement, tu as cette capacité de parler de lui avec une précision. C'est pour ça que nous devons nous revêtir de beaucoup de courage, comme l'apôtre Paul, afin de pouvoir annoncer l'évangile, quelles que soient les difficultés. Lorsque le Saint-Esprit est descendu pour la première fois, quelle que soit la puissance des choses qui se passaient d'une manière extraordinaire, ça n'a pas empêché les Romains d'essayer d'enquiquiner ces personnes qui étaient en face d'eux. Mais nous savons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a. Donc, quelles que soient les difficultés, nous devons toujours nous armer de courage pour annoncer la bonne nouvelle.
Et cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle de la grâce. Lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, on ne peut pas parler de la grâce sans parler de l'amour. Parce que la grâce provient d'un cœur rempli d'amour. C'est pour ça que pour comprendre le message, pour comprendre la bonne nouvelle de la grâce, c'est d'abord de connaître Dieu. Parce que si on te parle directement de la grâce, sans toutefois te parler de l'amour de Dieu, le message peut te choquer. Parce que tu ne peux pas comprendre, mais comment est-ce que Dieu peut faire ça comme ça pour son peuple? C'est pour ça que toi qui as reçu le Seigneur, tu as cette capacité de le voir tel qu'il est et comment est-ce qu'il est. Il est amour. Et cette conception que tu as de lui, c'est parce que le Saint-Esprit prend le soin de t'enseigner que Dieu est amour. Mais c'est lui qui n'a pas Jésus-Christ, il n'a pas cette connaissance que Dieu est amour. Parce qu'il peut se poser mille et une questions. Mais si Dieu est amour, mais pourquoi il y a le coronavirus? Mais si Dieu est amour, mais pourquoi il y a l'Ebola? Mais si Dieu est amour, mais pourquoi si, pourquoi ça? Mais pourquoi cette, pourquoi ils vont voler? Pourquoi? Et beaucoup de questions dans ton esprit. Mais comment répondre à ces personnes? Si toi tu es assis, tu es assis et tu ne veux pas te lever pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, mais comment ces personnes pourront discerner? Comment ces personnes auront l'information? La Bible déclare que comment croiront-ils s'il n'y a aucune personne pour annoncer l'évangile? Comment? Dans les épaules, les pieds, les cieux. Mais comment? C'est comme ça que tu as besoin. La création a besoin de ta révélation. La création, ce monde, ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus, ont besoin que tu viennes annoncer la vérité de l'évangile qui concerne l'amour de Dieu. Combien de personnes sur cette terre présentement qui voient un Dieu qui souffre de cette maladie qu'on appelle la schizophrénie? Il est bon et il est méchant. Aujourd'hui, il est. Demain, il est comme ça. Un Dieu qui est changeant, mais un Dieu comme ça, mais c'est difficile. Toi-même, dans tes relations avec des gens, quand tu n'arrives pas à savoir l'humain de quelqu'un, tu préfères même ne pas t'approcher, n'est-ce pas? Parce que tu ne sais pas à quel moment tu peux prendre un faux coup. Donc, tu préfères te mettre à l'écart. Donc, un Dieu, on ne sait pas à quel moment il peut changer. Moi, j'ai peur de lui. Et c'est comme ça que certaines personnes n'arrivent pas à accepter le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on ne le maîtrise pas. Un gars qui change à n'importe quel moment, on a peur de lui. Alors que toi, avec le Saint-Esprit que tu as reçu, avec l'enseignement des apôtres, tu as cette capacité de pouvoir parler de lui avec une précision en disant que toute grâce parfaite descend de lui. Je le perds de lumière. Je le perds. Il n'y a ni changement, ni homme de variation. Mais lorsque tu seras en train de parler en ces termes, tu pourras fortifier une personne qui est mal orientée dans sa pensée. Tu as cette connaissance. Lorsque nous recevons le Seigneur, la seule mission que nous avons, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Ce n'est pas s'asseoir et d'amener le bien à certaines personnes comme si toi tu ne connais rien, mais moi je connais. Moi je suis sanctifié, moi je suis pur, moi je suis saint, moi je suis parfait. Il y a le gars à lui. Non, ça n'a rien à voir. Si le Seigneur nous a fait la grâce de pouvoir comprendre certaines choses, nous devons maintenant les exposer en fait que cette personne puisse venir avec nous. Lorsque nous voyons l'évangélisation de notre apôtre Jean, il dit ce que j'ai touché, ce que mes yeux ont vu, nous venons pour vous annoncer au nom du Seigneur, soyez réconciliés. Donc nous venons pour parler au nom de son amour. C'est un Dieu qui est bon. Cette maladie-là, ce n'est pas lui. L'échec que tu es en train de traverser, ce n'est pas lui. Cette malformation, ce n'est pas lui. Combien de personnes aujourd'hui, ces gens-là, ont emprisonné Dieu dans leur cœur? C'est pour ça qu'ils ne sont même pas sensibles à un message d'évangélisation. Parce que si Dieu était bon, mais il pouvait m'amener dans cette situation. Il m'a laissé. Mais est-ce que Dieu ne voit pas tout? Est-ce qu'il ne sait pas tout? Mais si je suis resté ici, mais c'est lui-même qui a participé à mon mariage. C'est comme ça que, mais avant même que nous puissions véritablement comprendre et accepter le Seigneur, j'ai pensé comme ça autrefois. Donc si je suis un homme comme vous, mais c'est qu'il y a plusieurs personnes aussi qui pensent.
commence comme ça. Mais c'est comme ça que nous avons cette grâce de pouvoir répondre cet appel. Le cœur de l'homme est conditionné par un cœur de loi. Mais le cœur de Dieu n'est pas conditionné par un cœur de loi. C'est comme ça que beaucoup de personnes essaient de connaître Dieu en fonction de leur cœur, rempli de conditions et de lois. Alors que le cœur de Dieu n'est pas conduit par un cœur de loi, mais par un cœur de grâce. Le cœur d'homme. Mais tout ça, si les gens n'ont pas cette information, mais comment est-ce qu'ils pourront avoir une sécurité? Comment est-ce qu'ils pourront véritablement se sentir à l'aise dans une mission? Et tu es porteur de ce message. Ce message-là est en toi. Tu as reçu. C'est ce message-là qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui, enfant de Dieu. La Bible déclare que ce n'est pas la bonté de l'Éternel que les gens sont poussés à la repentance. Vous assistez souvent à des prédications qui donnent la peur. Si tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus-Christ, tu vas mourir, tu vas partir en enfer. Mais ce n'est pas ce moyen-là. Non. Ce n'est pas par ces moyens que nous allons gagner les gens. La Bible dit que ce n'est pas la bonté de l'Éternel que les gens sont poussés à la repentance. Donc le fait de savoir que Dieu est bon va changer ta manière de le voir. Et quand ça va changer ta manière de le voir, c'est comme ça que tu pourras maintenant l'accepter. La repentance vient lorsque le cœur, lorsque tu commences à apprécier. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue, lorsqu'il a quitté la maison, il a fini de dilapider ses biens. Il avait tellement honte, il n'avait plus d'argent. Qu'est-ce qu'il a commencé à manger? La nourriture des pauvres. Mais qu'est-ce qui a fait le déclic pour arrêter de manger cette nourriture-là et revenir à la maison? Il dit, même dans la maison de mon père, les mercenaires mangent correctement. Donc la bonté de l'amour de son père a frappé son cœur et il s'est détourné de cette nourriture de ta rouge pour retourner. C'est pas parce qu'il avait fait, parce qu'il mangeait la nourriture des pauvres. Bon, il était déjà à l'aise. Mais quand il s'est souvenu que dans la maison de son père, même les mercenaires mangeaient correctement. Il s'est souvenu de la bonté de son père. Et c'est comme ça qu'il est revenu à la maison. Mais c'est comme ça que ces personnes ont besoin de savoir quoi? La bonté de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ a quitté les cieux supérieurs, descendu sur la terre de son mourir, afin que tous vos péchés vous soient pardonnés. Donc quand quelqu'un recevra ce message-là, tout ce qui est peur, tout ce qui est crainte, vous allez voir que tout ça va commencer à s'envoler. Et cette personne-là pourra maintenant venir vers le Seigneur pour lui dire, papa, je t'aime. Donc nous avons reçu ce message. Le Saint-Esprit a pris le soin de marteler brique après brique. Aujourd'hui, nous comprenons véritablement tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Qu'est-ce qui nous reste à faire? Qu'est-ce qui nous reste à faire? C'est de pouvoir annoncer l'évangile. Ces personnes qui n'ont pas encore accepté le Seigneur n'ont pas la révélation que c'est par l'œuvre de la croix, c'est par le sacrifice de Jésus-Christ qu'ils sont réconciliés. Donc ces personnes-là veulent quand même se réconcilier avec le Seigneur, mais elles essaient de se réconcilier avec le Seigneur au travers de leurs œuvres. Mais toi, tu as la bonne compréhension, toi, tu as la connaissance que ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi. Mais nous voyons des gens qui sont là, en train de œuvrer, en train de souffrir. Et il y a même d'autres pasteurs même qui dit un plaisir, il sert là-dessus afin de pouvoir encore dérouper, afin de pouvoir encore bouffer. Mais toi, tu as la connaissance de la bonne nouvelle de la grâce. Ce n'est pas par les œuvres que tu recevras le Seigneur, mais c'est uniquement que par la grâce au moyen de la foi. Donc l'humanité, les êtres humains, les pécheurs, ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec le Seigneur, n'ont pas l'information qui c'est par la grâce. Par le moyen de la foi. Ils essaient de chercher Dieu, mais ils frappent à la mauvaise porte. Ils frappent à la porte de la religion. La religion leur demande, voici des choses à faire pour que tu sois bien.
voici 10 commandements. Si tu as pratiqué les 10 commandements, le Seigneur aura compassion de toi. Peut-être tu vas partir au ciel. Tu vois les certitudes. Il y en a même d'autres qui vont te parler de cette capacité après ta mort d'être purifié par les prières qu'on peut faire en bas 2000 pour que Dieu puisse te répêcher. Pourtant, si c'est le bac, tu as fini, il y a au moins deux points de répêche par les prières qui sont en bas. Tout ça, ce n'est pas encore vrai. Mais toi, tu as la connaissance de la vérité de l'évangile. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas en payant de l'argent, ce n'est pas en faisant plus de choses que nous avons le salut, mais nous l'avons uniquement fait par la grâce. Puisque ces personnes-là n'ont pas l'information, c'est toi si tu as l'information. Et qu'est-ce qui te fait de cette information? Tu prends ça pour narguer les gens. Lorsque tu écoutes une prédication, tu ris, tu te moques d'eux. Mais à quel moment tu vas t'élever pour que tu puisses annoncer l'évangile? À quel moment? Combien de personnes parmi vous, soit dans leur famille, au bureau, leurs collaborateurs, leur manière de penser du christianisme est fondée et basée sur les œuvres méritoires. Et tu sais la vérité de l'évangile. Mais au lieu d'essayer de leur faire comprendre, toi tu te moques d'eux. D'abord, tu es sûr que tu as pu faire à Dieu. D'abord, vas-y, essaie. Mais tu n'as pas donné la solution à cette personne. Même si tu sais que quand tu vas annoncer, ça sera difficile parce que la personne ne va pas croire. Toi, joue ton rôle. Ton rôle, c'est de faire quoi? C'est d'annoncer. C'est le Seigneur lui-même qui touche le cœur. Nous devons toujours annoncer la parole de Dieu. On ne peut pas être là. Imaginez, non, je sais que lui, là, j'ai battu, il a annoncé la parole, il a béni, c'est pas la paix. Non! Nous devons toujours annoncer la parole. C'est très important. Vous voyez, on a été tellement bercé dans la loi, on a été tellement bercé dans les œuvres méritoires, que plusieurs personnes aujourd'hui, dans leur esprit, le moyen par lequel il faut plaire à Dieu, le moyen par lequel nous avons le paradis, le moyen par lequel nous avons le salut, c'est pas les œuvres de la loi. Et personne ne peut enlever ça dans leur esprit. Ils sont cantonnés. Il y a des gens qui vont même à l'extrême dans le supplice d'être réconciliés avec Dieu. Non pas par Christ, mais par leur capacité. Et toi, tu as cette information. Et qu'est-ce que tu fais? Je réponds ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit, mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de quoi? La bonne nouvelle de la grâce. Nous devons savoir que l'évangile que nous devons faire sortir de notre bouche, on l'appelle la bonne nouvelle de la grâce. Mais vous allez voir, mais quand vous allez commencer à annoncer la bonne nouvelle de la grâce, les gens vont vous combattre. Parce qu'il n'y a que ce qui est bon qu'on combat. Donc lorsqu'on vous combat, ce n'est pas pour vous faire comprendre ce que vous dites est faux. Vous devez savoir que toute vérité est combattue à l'extrême. Un système qu'on ne combat pas, c'est que ce n'est pas la vérité. Parce que le Seigneur lui-même, quand il est venu, il était la première personne qu'on a combattu farouchement. Donc si tu es son disciple, c'est tout à fait normal qu'on te combat aussi farouchement. Il dit ce qui est arrivé au maître. Qui veut terminer? L'élève n'est pas plus grand que lui. Ce qui est arrivé au maître va forcément arriver au Seigneur. Donc lorsque tu s'y rentrerais pas, les gens ne vont pas dire, les gens ne vont pas croire. Mais toi, tu as. Il ne peut pas dire qu'il n'a pas entendu. C'est lui qui a refusé. Amen. C'est très important. Vous voyez, le salut par les yeux, c'est le plus grand mensonge qui puisse exister dans ce monde. Alors que ça paraît logique. Ça paraît normal. Mais si tu te comprends bien, tu vas au paradis. Tu ne te comprends pas bien, mais tu vas à l'enfer. Mais est-ce que ça ne ressemble pas à quelque chose de normal? Quand on te dit ça, ça ne te gêne pas. Mais tu dis que c'est logique. Mais pourquoi le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas logique? La grâce n'est pas logique.
La grâce vient chercher les pécheurs. Si c'est logique. Si tout ce que tu dois rentrer dans une salle, on dit il y a un brigand et puis il y a une bonne personne, c'est qui tu vas sauver? Voilà, c'est ce qui est. Mais quand le Seigneur vient sauver une mauvaise personne, parce que c'est qui a besoin de lui. Donc la grâce n'est pas logique. Ne vous en voulez pas si les gens ne vous comprennent pas. Parce que si les gens vous comprennent, c'est que le message que vous êtes en train de donner ne vient pas du Seigneur. Parce qu'il dit que c'est une folie pour l'homme. Il dit la prédication, c'est une folie. Donc si toi-même, ta vie chrétienne, tout le monde te comprend, tu n'es pas en train de vivre la vie chrétienne. On ne doit pas te comprendre. Celui qui doit te comprendre, c'est le Saint-Esprit et toutes ces personnes qui sont en forme de Dieu comme toi. Mais toi, tu es un million, tout le monde te comprend. Tu es en danger. Ça veut dire que ton affaire là, on va bien voir son fond. Toi, tout le monde est d'accord avec toi. Hein? Et l'évangile, tout le monde est d'accord. Non. C'est vrai que. Donc, nous devons annoncer véritablement l'évangile, qui est la grâce. La grâce, c'est que nous recevons de lui uniquement que par la foi. Rien que par la foi. Je vous le dis parce que, après la Pentecôte, le Seigneur nous a remis le Saint-Esprit. Et quand il nous remet le Saint-Esprit, c'est dans le ciel qu'il allait faire quoi? Vous voyez, en Actes, 3000 personnes converties. Lorsque tu vas arriver en Actes chapitre 4, 6000 personnes converties. Parce que Dieu ajoutait à l'église à chaque fois ce qui était sauvé. Et toi qui as reçu le Saint-Esprit, tu es là aussi pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Pourquoi un message, mais c'est le même message de la grâce que nous prêchons. Il y en a d'autres qui sont convertis, il y en a d'autres qui ne sont pas convertis. Ce qui convertit véritablement, c'est le message qui concerne Christ. C'est le message de la bonne nouvelle de la grâce. La bonne nouvelle de la grâce, c'est quoi? C'est d'annoncer le pardon des péchés en Jésus-Christ. Lorsque le message est prêché et ça trouve une terre fertile, il y a forcément une transformation. Ce qui était vrai hier est vrai aujourd'hui, c'est la vraie demain au nom de Jésus-Christ. Donc le Seigneur compte uniquement que sur nous. En fait, de pouvoir apporter cette connaissance à ces personnes. Il y en a des personnes qui ont beaucoup de zèle, beaucoup de courage. Ce sont des pécheurs. Mais ces personnes-là pensent pouvoir arriver à cette sainteté par leur capacité. Alors que, ayant cette nature pécheresse, aucune personne ne peut satisfaire les standards de Dieu avec cette nature pécheresse. Romains chapitre 7. Il dit: nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore réconciliées avec le Seigneur, qui essaient de se réconcilier avec le Seigneur par la loi. Par les œuvres de la loi. Donc la nature pécheresse dans cette personne-là donne à pratiquer le péché avec aisance. Donc, pour ces personnes-là, elles ont besoin de quoi? Elles ont besoin d'une transformation. La transformation, ce n'est pas dire arrête de vomir. La transformation, c'est de demander d'accepter Jésus-Christ. Parce que lorsqu'elle va accepter le Seigneur Jésus-Christ, il aura un échange. Il prend la nature pécheresse. Et il donne la sainteté. C'est en ce moment maintenant que tu peux exhorter une personne à ne pas faire certaines choses. Mais avant ça, la personne ne peut pas, quoi qu'elle a envie de faire elle-même, mais il y a comme une loi du péché par elle. Mais ces personnes-là ne sont pas informées. Toi, tu as la connaissance de ça. Tu peux voir des personnes qui essaient de faire 40 jours de jeûne dans le but de pouvoir recevoir une guérison. Mais toi, tu as la connaissance. Mais à quel moment tu vas parler? À quel moment tu ouvres ta bouche? À quel moment tu souhaites véritablement annoncer la vérité de l'évangile? Parce que quand on te parle de la vérité de l'évangile, ça veut dire qu'il y a un mensonge de l'évangile. Et le mensonge de l'évangile, c'est faire croire que Dieu t'acceptera en fonction de ta capacité. Le faux message de l'évangile, c'est de faire introduire le judaïsme dans le christianisme. Faire introduire le judaïsme dans le christianisme, qu'est-ce que cela veut dire? C'est d'en appeler au rite, aux cérémonies.
aux lois, aux rituels. Tout ce qui était propre à l'ancienne alliance, c'est de les ramasser et de venir les déposer dans le christianisme. Alors que le christianisme marche uniquement que par la foi. Le christianisme prend appui sur l'œuvre de Christ et tu le reçois maintenant par la foi. Donc toi, tu as cette connaissance, c'est comme ça que tu as été catapulté dans son royaume. C'est comme ça que tu as été transporté dans son royaume. Et là, présentement, tu baignes. Tu en baignes dans cette relation. Mais regarde autour de toi. Comment est-ce que ces personnes sont? Donc tu pourras trouver des personnes qui sont sincères. Mais tu vois la dévotion. Tu vois comment est-ce que ces personnes-là sont. Elles vont chuter, laver les églises, balayer, faire tout ce qu'elles doivent faire. Et après, c'est souffrance. Après, souffrance. Pourquoi? Parce que la personne ne sait pas que l'évangile, c'est l'évangile de quoi? L'évangile de la grâce. Nous recevons de lui uniquement que par la foi. Uniquement que par quoi? Par la grâce, au moyen de la foi. Donc, on ne peut pas démissionner, bien aimé, dans le Seigneur. On ne peut pas s'asseoir là et laisser les gens en train de mourir. On ne peut pas s'asseoir et ne pas vouloir annoncer l'évangile qui fait du bien à certaines personnes. Enfin, le pouvoir des peuples. La prière du Seigneur. Il dit soit que tout soit. Mais c'est comme ça que nous devons annoncer. Si tu ne te lèves pas pour annoncer l'évangile, ça sera compliqué. Pour ça, le Seigneur compte sur toi. Pour annoncer l'évangile là, le Seigneur, Dieu, compte sur toi. Mais il compte sur toi. Mais c'est comme ça que l'apôtre Paul dit, comment croiront-ils si une personne? Donc pour que ces personnes-là puissent croire, il faudrait qu'il y ait les prédicateurs, il faudrait qu'il y ait des gens quoi? Comment croyons-ils s'il n'y a personne pour annoncer l'évangile? Il ne faudrait pas prendre le christianisme comme la monotonie. Tu te réveilles le dimanche, tu viens au culte quand ça t'arrange. Lorsque tu as des rendez-vous importants, on peut passer après. Et quand tu finis, voilà. C'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est de passer son temps à annoncer la bonne nouvelle. Combien de fois tu as pu présenter l'évangile à quelqu'un dans ta vie depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ? Comment? Qu'est-ce que tu as bien pu faire pour lui? Tu ne peux pas lui donner de l'argent. Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu si ce n'est que d'annoncer l'évangile et faire du bien à toutes ces personnes qui sont autour de toi? Mais dis-moi, comment un grand Dieu puissant créateur de ciel et de terre, mais comment est-ce que toi tu peux faire quelque chose? Qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Qu'est-ce que tu peux lui donner? Qu'est-ce que tu peux lui donner? Si ce n'est que parler seulement de ce qu'il a fait pour toi. En fait, on dit de venir témoigner. Ce qui s'est passé dans ta vie là, viens témoigner. Je suis devenu enfant de Dieu, non pas par mes œuvres, mais par la grâce de Dieu. J'ai cru en son amour. Et il a fait ci, il a fait ça. On te demande de venir témoigner de son amour pour que ces personnes-là soient impactées. La Bible déclare qu'ils ont vécu à cause du sang et à cause de Dieu. Le sang est déjà répandu. Donc là, on a besoin maintenant de quoi? Il a déjà fait. Et maintenant, nous devons maintenant répandre cet évangile. Pour que les gens puissent comprendre, enfin, de pouvoir être aussi en communion avec. Il ne faudrait pas que nous passions seulement notre temps à demander des choses au Seigneur. Seigneur, mon entreprise. Seigneur, ma maison. Seigneur, mes enfants. Seigneur, si. L'apôtre Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse. Mais est-ce que tu as cette
capacité de parler comme l'apôtre Paul, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse. Toi, tu n'es pas Dieu. Toi, tu n'es pas l'initiateur de l'amour. Mais tu sais que tu dois faire ton départ pour tes enfants. Tu sais que tu dois mettre un peu d'argent pour tes enfants. Tu sais que tu dois essayer peut-être de construire pour donner l'état à ton enfant. Maintenant, c'est Dieu là, lui, il ne pense pas à toi. Lui, il est trop inconscient. C'est un Dieu qui n'est pas trop bien. Parce que si toi, un homme qui n'est pas l'initiateur, mais tu n'es qu'un imitateur, tu arrives à penser comme ça pour tes enfants. Mais et lui, c'est comme si que l'apôtre Paul dit, je n'ai fait aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse. Non, il y avait un ennemi qui terrifiait tout le monde. Cet ennemi-là, c'était qui? Mais la mort était vaincue. Mais c'est comme ça. Prenons. Marc 16, 9, 15. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand il entendit qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, il ne lui crut point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à Capernaüm. Il révèle l'annoncer aux autres qui ne les crut pas non plus. Enfin, il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table, il reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Puis il dit, allez partout le monde et prêchez la parole. Mais ils n'avaient pas cru en quoi? Alors, parce que l'amour a terrifié plusieurs personnes. L'amour, c'était notre ennemi. C'était le chef bandit. Donc, Jésus, ils l'ont vu. Il est mort. Même les 11 disciples, c'est Gaza. À qui l'a dit les gars, il a ressuscité. Dis quoi, tu peux. L'amour, la vie, c'est comme un gars. C'est pas fait de Lazare. C'est l'homme, lève-toi. Non. Ça, c'est toi-même, tu vas partir. Donc, c'est ce qu'il disait dans le cœur. Il dit, oh, le gars, il blague. On croit en lui, il pense que c'est un musulman. Ok. Donc, les gens ne croient pas en lui-même. Vous dites qu'il va ressusciter. Donc, ils sont venus dire qu'on a lui. Les gars n'ont pas. Et c'est comme ça qu'il allait partout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Cette mort-là a plus fait dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Si elle t'a terrifié, ne pourra plus jamais te terrifier parce que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Cette maladie ne pourra plus jamais te fatiguer. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. Et c'est ça qui est la bonne nouvelle. Donc, tous, la mort et ses compagnons, la mort et ses sous-produits, aujourd'hui, ont trouvé le maître. Parce que le chef bandit, la maladie, l'infinité, tsunami, volcan, le chef des gars, vous avez dit, c'est la mort. C'est lui le terminus. Mais Jésus-Christ est rentré dans cette mort-là. Et puis il est ressenti. Ça, c'est un défi. Il a défié la mort. C'est comme ça qu'il pose la mort. Mais où est ta force? La mort. Mais où es-tu? Tu n'as pas pleuré et ni le Seigneur des Seigneurs. Mais c'est comme ça qu'on vient d'annoncer cette bonne nouvelle. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Donc l'apôtre Paul avait cette information. Il dit qu'il ne fait aucun cas de sa vie. Parce que même la mort, celui qui est en moi t'as déjà vaincu. Donc je ne sais pas. J'ai vaincu quoi? Si c'est la maladie, on a déjà vaincu son grand frère. Donc je ne sais pas qu'est-ce que je vais craindre. Si c'est la persécution, si c'est les emprisonnements, si ce sont des liens. Votre grand frère là, on l'a vaincu à la croix. Donc toi, qu'est-ce que tu peux me faire? C'est cette bonne nouvelle que le Seigneur nous demande d'aller annoncer. Parce que ceux qui ne sont pas encore réconciliés, ils ont la peur. Ils ont la crainte. C'est difficile pour eux. Ils ne savent pas que
nécessité. Sur quelqu'un là, ça peut être Jésus-Christ. Même s'ils le savent, ils le savent d'une manière intellectuelle et non pas d'une révélation profonde de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que sa résurrection, c'est pour ta justification. Autrefois, le péché te condamnait. Mais la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ vient te justifier de cette mort au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, si elle a triomphé depuis Pépette les oies, full stop. Point. C'est fini. Toi, ton terminus, là, c'est arrivé. Tu ne pourras plus jamais. Plus jamais. C'est comme ça qu'il disait que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Pourquoi? Parce que nous, notre représentant, là, il a vécu la mort. C'est un Dieu de preuve. Il est venu, il nous a promis la vie après la mort. Mais toi, tu nous parles de la vie après la mort. Mais il faut nous montrer le chemin. Mais c'est comme ça qu'un peu d'intellect. Tu vas chez un féticheur pour qu'il te donne de l'argent, pour qu'il te rende riche. Mais lui-même, il n'a pas se rendre riche d'abord. Il va te dire non, que le génie ne veut pas que moi il soit riche. Il m'a donné pour que toi tu sois riche. Et puis toi, tu as battu 100, tu es assis dedans. Mais toi, tu viens envoyer quelqu'un, tu vas envoyer quelqu'un quelque part. Et puis toi-même, tu n'as pas expérimenté. Mais il faudrait expérimenter la chose que tu veux donner à quelqu'un. Mais tu n'as pas expérimenté. Mais comment est-ce que tu peux me donner? Comment est-ce que tu peux me donner? Voilà pourquoi il est le seul leader spirituel qui dit celui qui m'a à la vie. Aucun leader n'a pu faire ça. Parce qu'eux tous ont été limités à la mort. La mort les a frappés et puis sont restés dans le monde. Donc aucun leader spirituel. Aucun Bouddha, Mahomet, aucun. Je vais dire, voici des choses que vous devez faire pour que Dieu vous accepte. Mais aucun. C'est comme, tu as deux grands frères devant toi. Le premier grand frère dit, mon petit frère, suis-moi. Ton salaire est payé, ta maison est payée, tout est payé, scolarité de tes enfants payée, maison je te donne, voiture je te donne, assurance, tout. Tu as tout, il te manquera de rien. Et il y a un autre grand frère qui dit, suis-moi. Je ne sais pas où il va, mais allons seulement. Donc il y a beaucoup de grands frères. Il y a un qui dit, je suis le chemin de la vérité, tu te matches. Mais il y a beaucoup qui sont venus d'où. Suivez-moi, c'est bien sûr, on ne sait jamais avant de voir. Moi, j'ai marché derrière qui était lui-même qui est incertain. Lui-même, il ne sait pas où il va et peut-être te suivre. C'est pas possible. Donc, il est le seul à faire cette déclaration. Pourquoi? Parce qu'il a prouvé. Il est allé. Il a triomphé. Alléluia. C'est maintenant ressuscité. C'est ça. Et c'est ce message-là que le Seigneur nous a donné. Que le Christ est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il a mis fin à la souffrance. Il a mis fin à la malédiction. Il a mis fin à cette nature pécheresse. Il a mis fin au péché. Il a mis fin à toutes choses. Mais puisque ces personnes ne sont pas informées, il va se faire un peuple. Ses enfants. Il dit maintenant, allez. Pourquoi? Pour annoncer cette bonne. Et toi, maintenant, tu as été enrôlé. Tu es devenu enfant de Dieu. Et tu n'es pas capable d'annoncer la bonne. Et tu n'es pas capable de faire quoi? Tu n'es pas capable de faire quoi? Faut le dire avec moi, tu n'es pas capable de faire quoi? Tu n'es pas capable de faire quoi? Tu n'es pas capable de faire quoi? Tu es capable. Là, ce n'est pas par la foi. Hein. Ça, là, on a besoin maintenant de voir ça.
On a besoin de eux. C'est pas une question de à la maison par la foi. Je convertis 10 personnes qui viennent avec moi. Non, 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 votre foi là, ça là, vous avez dépassé ce niveau. D'abord, ils ne seront pas arrivés là-bas. Là, là, maintenant, c'est de sortir. Fais du corps à corps, du porte à porte. Appeler un frère et à l'annoncer. On fait ici le séminaire une fois par. Hier, on a reçu seulement que 3 nouvelles personnes. 3! Tu dis que tu peux annoncer. 3! Alors que dans notre base de nous sommes 100. 3! Mais c'est comme moi. Hey, papa, les gars, là, vraiment, il dit, je ne pas. Donc, quand vous allez, Seigneur, mon fils, c'est comme moi. Ah, papa, moi, il prêche, les gars, là, vraiment. Et là, vraiment, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que vous allez là-bas. Hein? C'est-à-dire, mon frère, là, le Seigneur, là, il est prêt à vous accueillir, mes enfants arrivent. Ah, tout. Ouais, quel des grands que je t'ai donné là, mon fils. C'est comment, fais-moi le point. Ah, papa, non, mais moi, non, mais tu connais les gars, les Ivoiriens là, c'est des sous-têtus, hein. La dernière fois, il les a invités, tu as mis passer la vie, donc tu t'es là, moi, on est parti, les amis, ils ne viennent pas, ils disent non, on ne va pas trop manger, on doit faire ici, on doit faire ça. Ça, c'est quoi ça? Ça, là, c'est ça, c'est quoi ça? C'est qui s'est passé ici là? C'est ce qui va se passer de l'autre côté. Quand le pasteur est là, c'est comme moi. Ah mon pasteur, vraiment les gens là, ça l'a donné tous les jours, ça l'a donné une minute. Vous allez répondre là-bas. C'est pas pour savoir ce qui a parti au paradis, mon enfant. On est déjà en Christ. C'est la vie. Mais il va te poser des questions. Comme le pasteur te pose des questions, où sont tes invités? Il va te poser là-bas la question. Mais attendez, qu'est-ce que tu as fait du talent que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas aller te justifier encore là-bas. Hein? Tu vas aller te justifier là-bas. Le Seigneur t'a donné une parabole. Il y a un, on a donné 5 talents. Il a eu 10. Il y a un à qui on a donné 3 talents. 2 ou 3 talents. Multiplie encore par 5. Il a un dit, Seigneur, toi tu es méchant. Et puis parle mal, on doit le frapper. Il y a des gens comme ça qui vont frapper là-bas. Il dit, oh, Seigneur. Je sais que tu n'as pas là où tu n'as pas parlé. Tu es Dieu, regarde, Dieu. Oui, il s'est détaché tout doucement. Vous allez bâtir, mais ma fille, tout ce que mon fils a. Ah, Seigneur, mon cher, pour ne pas perdre mon salut, moi, je me suis assis tout doucement, il ressemble au message, je n'ai rien dormi, j'ai conservé ce salut là fraîchement, me voilà devant toi. Non, mais c'est bien ça. On doit annoncer l'évangile. Le Seigneur compte sur toi. Il compte sur toi. Le problème, tu ne veux pas lâcher prise. En fait, tu es en train de lutter avec le Seigneur. Tu ne veux pas lâcher prise. Tu te dis que toi-même, tu vas t'occuper de tes affaires. Lui aussi va s'occuper de ses affaires. Le Seigneur te dit, faisons un deal. Fais pour moi. Moi, il fait pour toi. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à prendre soin de toi-même. Moi, je vais prendre soin de toi. Toi, tout ce que tu dois faire là, prends soin de mes. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Pierre. Même tu. Il a répondu quoi? Il a pris la raison pour le voir. Et quand il a pris le voir, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, je vous pose la question. Grâce, grâce. Vous m'aimez? Il ne vous entend pas. Grâce, grâce. Vous m'aimez? Grâce, grâce. Vous m'aimez? Allez chercher vos 10 personnes. Vous allez m'aider. C'est ce qu'il a fait avec Pierre. Pas tous les jours, il n'y a pas quelqu'un ici là. Si on a posé la question, qui est Dieu? Peut-être tu as percé le plafond. Mais c'est pas une question de lever la main. D'ici, tu m'aimes là. C'est
Donc l'amour, j'ai dit que l'amour c'est un sentiment qui est comment, qui est abstrait. Mais il arrive à se démontrer. Donc quand toi tu dis que tu aimes Jésus là, c'est abstrait. On ne voit pas. Donc on a cette capacité de démontrer l'amour que nous avons pour lui. Et démontrer l'amour là, c'est fait quoi? Tu as dit, mais tu as des demi-fautes, et moi, il sait qu'il aime Dieu. Qui a dit qu'il aimait Dieu, c'est des demi-marins? Faut aller annoncer l'évangile. C'est des séries de questions. Quand Jésus est venu, il est venu à l'église devant. Il est venu devant. Mais c'est annoncer l'évangile qui est la manifestation de l'amour que tu as pour lui. Amen. C'est pas autre chose. Donc, arrêtez de résister. Connaissez ce passage là, cherchez premièrement le royaume et la justice. Mais il y en a d'autres qui ne veulent pas. Au point où tu sacrifies souvent les cultes, tu sacrifies des réunions sous prétexte que tu as beaucoup de choses. Ça peut arriver une fois en passant, je peux comprendre. Mais pas tous les jours, c'est toi qui sacrifies. C'est-à-dire, Dieu, il en sait bon. Il n'est pas en première place. Il est en seconde position. Mais pourtant, il est cherché premièrement. Mais toi, tu l'as mis deuxièmement. Et maintenant, tu attends beaucoup de lui. Mais tu ne trouves pas que c'est toi-même qui te fatigue. Tu ne trouves pas. Est-ce que tu ne trouves pas? Tu peux aller évangéliser puis tomber sur un client. Tu peux aller évangéliser et tomber sur quelque chose qui te fera du bien. Tu peux aller évangéliser et tomber sur quelque chose où tu ne t'attendais vraiment pas. Mais tout ça, c'est le Seigneur. Tout se retrouve dans l'évangile. Tout se retrouve dans cet amour-là. Tout se retrouve dans la grâce de Dieu. Ça fait combien de temps que tu es chrétien, enfant de Dieu? Est-ce que tu peux montrer des gens à qui tu as annoncé l'évangile? Et grâce à la prédication que tu as annoncée, cette personne est devenue enfant de Dieu. Est-ce que tu peux faire ça? Moi, je peux faire ça. Voilà. C'est toi. C'est important, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'autres révélations. Pour ce peu d'enseignement que nous avons reçu depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, là, il n'y a pas une autre information dont tu as besoin pour que tu ne veux pas l'évangéliser. Que tu sois au travail, que tu sois chez toi, à la maison, avec le voisinage. Même quand on finit la prédication, cherchons toujours à édifier. Ah, mais quelle partie t'a touché? Et quand tu finis d'avoir la somme de tout ça, tu cherches maintenant à les déverser. Tu peux même arriver à voir, c'est pas tout, on est à l'église. Ah, mais on peut se croiser toi là-bas. Quand tu finis, toi aussi tu balances pour toi. Ah, vraiment le message là m'a plu. Hein? Ah, d'accord, mais dis-moi si tu veux trouver. Mais c'est comme ça que tu peux gagner les gens. C'est qui n'est pas venu avec sa femme. Donc, normalement, quand il rentre à la maison, qu'est-ce qu'il doit faire? Hein? Hein? Non, il rentre à la maison. Il rentre à la maison. Il n'est pas venu à l'église avec sa femme. Quand il rentre à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Voici ce que le pasteur a dit. Voici les versets. Tac, 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 tu fais un résumé propre. Mais tu arrives à la maison, tu sais que tu as laissé ta femme. Tu viens. Quand tu mets en poche, quoi? Oh, mon cher, on a poché sur la bonne nouvelle. Viens la nourriture. Mais tu passes à autre chose. Ah, je suis fatigué, après t'expliquer. Maintenant, c'est après, maintenant. C'est un plat que Dieu les sanctifie, donc c'est
J'ai une maladie maintenant. Vous dites la communication là. Tout ça là, papa, autre chose. C'est un mensonge. Nous devons annoncer l'évangile là. Même ton enfant. Il faut parler avec ton enfant. Trouve des mots. Parle avec ton enfant. Si c'est quelqu'un qui trouve les moyens. C'est peut-être ma voiture au garage. Le premier taxi qui est prêt, il est foutu à moi. Évangile. Tu es bouddhiste. Tu es douloureux. Tu ne peux pas m'empêcher de pouvoir amuser. Je veux trouver forcément mon schéma là. On doit forcément trouver le schéma. Soit pas ta manière de parler. Mais tu dois forcément. Ce n'est pas les gens qui vont te donner l'opportunité de leur parler de Jésus. C'est toi-même qui te crée cette opportunité-là pour leur parler de Jésus-Christ. Bien-aimé, s'il y a quelque chose que Dieu attend de toi, c'est d'annoncer la parole. C'est la seule chose que nous avons. Là, lorsqu'il était en train de partir dans les airs, il dit, allez, annoncez l'évangile. C'est ce qu'il disait lorsqu'il montait dans les airs, en acte. Mais qu'est-ce que tu attends? Ce Dieu qui est venu se sacrifier pour toi, qui t'a fait à son image et à sa ressemblance, qui a fait de toi un esprit vivifiant, il t'a accordé toute la bénédiction. Il n'y a pas une chose que tu n'as pas. Et cette personne-là, c'est Dieu-là, te demande d'annoncer le message. Maintenant, toi, tu dis que tu ne le fais pas, sous prétexte que tu n'as pas assez de temps. Sous prétexte que tu as honte de parler. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à gagner les gens? Et tu vas voir, après un tel message, il y a d'autres qui vont être vivement touchés. Et vous allez voir que le vie à partir de ce message, ça sera une autre dimension. Ils vont aimer vouloir un. Il y en a d'autres. C'est rentré là. C'est sorti là. Fiou. Comme si ce n'est rien même. Mais est-ce que tu trouves ça normal? Il y a une autre catégorie aussi cette semaine-là. Paul même a rien fait. Deuxième semaine. Yo. Mais c'est la constance. Chaque jour, parce que si tu ne le fais pas, c'est vrai que le Seigneur t'aime. Le Seigneur ne t'aime pas par rapport à ce que tu fais ou par rapport à ce que tu ne fais pas. Mais toi-même, regarde la relation qui existe à la maison avec tes propres enfants. Tu aimes ton enfant parce qu'il est sorti de toi. Mais par exemple, quand ton enfant vient te donner peut-être sur 20 de moyenne, il t'envoie peut-être 7 de moyenne. Élève, aval, jubilant. Quand tu reçois le butin là, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Tu ne dis pas que tu n'aimes plus ton enfant. Tu l'aimes toujours parce qu'il est sorti de eux. Mais quand on vient te dire enfant, baba, jubilant, il vole en classe, on met ça là. Ça te fait quoi? Maintenant, ton enfant que tu aimes déjà, on vient, on dit, élève international, brillant, magnifique. Là, tu dis ça là, ça ne fait pas aussi de problème. Mais pourquoi veux pas, pourquoi tu ne veux pas créer ça aussi dans le cœur de Dieu? Il t'aime, ça c'est clair, son amour était conditionnel. Ça, personne ne peut te dire le contraire. Mais il faut savoir aussi que lorsque tu es en train de gagner des âmes, mais tu fais la joie de ton père. Tu fais la joie de ton père. Tu fais la joie de ton père. Ou bien? Ou bien? Alors, son père, ton père est content. Il est heureux. Et c'est la manifestation même de la foi. Parce que quand tu crois, quand tu dis que j'ai foi, ou j'ai foi, ou j'ai foi, ça fait partie du fruit de la foi là qu'il a. Parce que si tu crois véritablement, tu le feras.
Si tu crois véritablement, tu le... Oui ou non? On doit le faire. Parce que la différence entre les gens de ce monde et le Seigneur, c'est que Dieu nous a déjà donné toute la bénédiction. Les gens de ce monde, ils disent « Fais » et puis « Je te donne ». Donc, nous sommes prêts à accepter ce système-là. Je fais et il me donne. Mais le Seigneur nous a déjà tout donné. Et nous demande maintenant d'aller annoncer l'Évangile. Et c'est là qu'il y a une vie. Mais si tout le monde te met dans un réseau, on dit tu envoies une personne qui a 100 000. Toi-même, tu as dit les gens seront surpris de ta puissance marketing. Tu as Seigneur, ta grâce. C'est-à-dire, quand toi-même tu sors, Seigneur, mets les gens au peuple. C'est-à-dire, quand tu sais que c'est l'affaire d'argent là, tu veux sortir des prières puissantes. Touche le cœur des gens. Quand j'ai présenté mon produit, tu sois touché, Seigneur. Mais tu n'arrives pas à faire cette prière là pour les manifestations. C'est-à-dire, lui-même, il est le premier réseau, chef des réseaux, vers réseau, là, c'est le Seigneur lui-même. Et tu lui demandes, Seigneur, fais que je puisse trouver d'autres personnes pour telle raison. Et lui-même, il te regarde comme ça. J'ai pas le but, les gens fous de moi, hein? C'est-à-dire, moi, mon propre réseau, là, tu ne fais rien, ça. Mais tu me demandes. Mais pourtant, je t'ai dit, cherche le premier réseau. Et j'ai te donner les autres réseaux. Mais toi, tu dis non. Tu viens prier pour que je te donne l'autre réseau. Mais qu'est-ce que tu viens faire dans l'évangile? Qu'est-ce que tu fais, ça? Regarde, on va se dire. Tu vas dire comme ça dans ta prière, Seigneur. Je sais que tu m'as serré par mon esprit. Que le Saint-Esprit en moi me donne la capacité de pouvoir parler de toi. J'en suis conscient. Depuis près de 7 ou 6 dimanches, je ne fais que m'appeler. Seigneur, je prends conscience de la venue du Saint-Esprit en moi et dans le seul but de pouvoir répandre la bonne nouvelle de la grâce. En s'en priant, Seigneur, je bénis ton nom, je t'en prie. Merci Seigneur pour ta grâce qui est depuis près de 6 à 7 semaines, Seigneur, tu prends le courage de pouvoir annoncer l'évangile, de pouvoir me faire comprendre la venue de cet esprit en moi, Seigneur. Merci parce que tu me donnes la capacité. Merci parce que tu me donnes l'audace. Merci parce que tu me donnes l'énergie. Merci Seigneur pour tout ce que tu as mis au travers de ton esprit. Dans le seul but de pouvoir annoncer l'évangile, dans le seul but de pouvoir annoncer la bonne nouvelle de la grâce, je te célèbre, Seigneur, et je te dis merci pour tout ce que tu fais pour moi. Au nom de Jésus-Christ, nous allons encore prier. Je ne veux pas être un serviteur inutile. C'est comme ça que tu vas dire dans ta prière. Je ne veux pas être un serviteur inutile. Parce qu'après être enfant de Dieu, nous sommes aussi les serviteurs du Seigneur. Je ne veux pas être un serviteur inutile. Parce que tu peux recevoir le message de la grâce, c'est vrai. Mais être un serviteur inutile parce que tu ne fais rien avec le salut des âmes. Je ne veux pas être un serviteur inutile. Mais je veux être celui qui fera encore la joie dans le ciel. En cette prière du Seigneur. Tu bénis ton nom, Seigneur. Merci éternellement, mon roi, pour ce beau message qui vient encore me booster, me donner la capacité enfin d'être un serviteur utile dans ta maison. Enfin de pouvoir répandre ton évangile, répandre la grâce, répandre la résurrection d'entre les morts. Merci, Seigneur. Je ne souhaite pas être un serviteur utile, mais rien. Que je fais toujours à part de Seigneur. Merci Seigneur. Toi qui vis et règne pour les siècles et les siècles. Amen.
Amen. On répète à moi. On répète après moi. Je vais évangéliser. Jusqu'au retour du Christ. Je ne fais aucun cas de ma vie. Comme si elle était précieuse. Pourvu que j'annonce la bonne nouvelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous attendons.